Marie-Josée, fille d'Albert Ier et de la reine Élisabeth, a été reine d'Italie, mais seulement pendant un mois. La princesse Marie-Josée est née à Ostende en 1906. Quand elle a 24 ans, elle épouse Umberto, le prince italien avec qui elle aura 4 enfants. Elle ne s'entend ni avec son mari, ni avec son beau-père qui soutiennent le régime fasciste, alors qu'elle s'y oppose tellement qu'elle devra s'exiler seule en Suisse en 1943. En 1946, le roi Victor Emmanuel abdique en faveur de son fils Umberto. Marie-Josée devient la nouvelle reine d'Italie, mais la République est proclamée, les Italiens ne veulent plus d'une famille royale qui ne s'est pas opposée au fascisme. Alors Umberto et Marie-Josée ne régneront sur l'Italie que pendant un mois. Dis-moi si tu veux en savoir plus sur la princesse Marie-Josée.